Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo planeur puisque ça a été une vidéo que vous m'avez beaucoup, beaucoup demandé, mais j'avoue que j'ai pas pris beaucoup le temps de le faire. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo, je vous remettrai le lien dans le petit i de mon appli planeur qui vient de la fourmi créative. À chaque fois, je vous propose un code promo, enfin, pas un code promo, mais moins 5 euros sur votre première commande, la fourmi créative avec mon mail de parrainage, si ça vous dit. Voilà, il coûte une trentaine d'euros avec 5 euros de réduction, c'est toujours ça de gagner. Et je vous avoue que c'est mon planeur, voilà, que j'adore, mon appli planeur, je l'adore, et je le remplis tout le temps. Il a commencé au mois de juillet dernier, et là, bah, du coup, ça fait presque un an que je l'ai. Et je remplis tous les mois, en fait, je le remplis tous les mois avec tous mes rendez-vous, et j'aime bien faire des petites pages comme ça, en fait, sur le mois mensuel, enfin, sur la page mensuelle, en fait, où vous avez tous les jours du mois regroupés. J'aime bien faire des petites décos et tout. Alors, au début, j'étais un petit peu soft et tout, puis ça allait. Voilà, plus je remplissais, j'aime bien utiliser du masking tape, voilà, j'aime bien utiliser plein de choses. Je vous montre un petit peu, hein, regardez, voilà. Le mois d'octobre, qui est un mois que j'aime bien, donc voilà. Le mois de novembre, par exemple, qui était un peu plus dans les tons rouges. Le mois de décembre, qui était forcément plus thématique noëlienne. Le mois de janvier qui était plus, un peu plus gold et noir parce que c'est un peu classe pour les fêtes de début d'année. Février qui est plus girly. J'aime beaucoup celui-ci d'ailleurs. Voilà, et je décore en fait que ces pages-là dans mon appli planner. Il faut savoir que les pages après à l'intérieur je mets des petits stickers mais je décore pas plus que ça. Donc après février, mars, voici ma déco du mois de mars. Mars, après c'est avril, voilà. Mai, hop, mai que j'aime beaucoup aussi, je trouve trop joli. J'utilise un peu de washi tape, des stickers, je vais vous montrer après tout ce que j'utilise. Celui du mois de juin, voilà, que je viens de faire il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui avec vous, du coup en vidéo, on va pouvoir faire celui du mois de juillet. Donc voilà, il est tout mis, il est tout vierge, il est prêt à être décoré. Pour le décorer, j'utilise principalement des washi tape. Donc là, je les ai tous rangés là-dedans, je trouve ça sympa. Voilà, il y a tous mes washi tape. Il n'y a pas tout ici, mais on va dire que il y en a d'autres qui sont dans des petits pots. Mais là, il y a ceux que j'utilise principalement. Et je trouve qu'en boîte comme ça, c'est pas mal parce que ça permet de tout voir d'un coup et de choisir. Pour le mois de juillet, j'ai envie de faire un thème un peu tropical. Du coup, j'ai sorti toutes mes petites choses que j'ai sur le thème tropical. Donc là, j'ai pris une petite feuille avec des cartes de Project Lab de Crete Pepper, qui est la gamme Oasis. Et toujours de Crete Pepper, des stickers comme ça, un peu effet 3D, enfin ils sont épais, avec des décos hyper sympas. Toujours de Crete Pepper, si je me trompe pas, j'ai le papier là. Et toujours de la gamme Oasis, les chipboards, ça s'appelle, voilà. Donc j'ai pris ces petits trucs là, j'ai pris tout ce que j'avais un petit peu qui faisait penser aux ananas et avec du gold. Et les stickers aussi de chez Toga comme ça avec des ananas et des... Ah, c'est la tendance, hein, c'est ce que j'ai envie de faire. En plus de tout ça, j'ai toute une boîte de stickers, voilà, elle est là. Avec des stickers action, des stickers... voilà, de tout ce que j'ai cumulé, j'ai mis ça dans un petit classeur comme ceci que je vous avais présenté dans une vidéo haul. Alors c'est pas hyper bien rangé, mais c'est en cours, hein, de réflexion et voilà. Et je vais utiliser aussi aujourd'hui pour ma page, je pense, mes stickers que j'ai acheté chez Zodio, que j'adore, qui sont ceux-là, qui sont trop beaux, de la marque Paper Poetry. Donc voilà, je vais les utiliser là parce que je les aime beaucoup, je les trouve trop jolies. Et dans un planeur, ça marche très bien ces petits stickers-là, donc je vais les sortir. Voilà, quand je prépare ma page, je sors un petit peu tout mon matériel et puis je me lance. Je me lance avec un petit peu le matériel. Je vais aussi utiliser, je pense, les petits stickers comme ceci de Perlissime que je vous en avais parlé plein de fois, qui vous les fait sur mesure avec les thèmes que vous souhaitez, tropical ou pas ou autre. C'est elle qui vous fait ça, donc je vous mets le lien de son Instagram où elle montre ses créations. Moi d'ailleurs je vous ai montré aussi des créations qu'elle a fait sur Instagram. Du coup je vous remets une photo aussi si j'y arrive, bah, des stickers que j'avais reçus. Et voilà, je vais en utiliser quelques-uns aussi aujourd'hui je pense, enfin il y a des stickers lettres, voilà. À peu près tout ce que je vais utiliser, je les ai sortis pour les mettre
dans mon planeur. Maintenant, on va se retrouver avec une autre vision pour que je puisse vous montrer un petit peu comment je réalise tout ça. Alors, vous m'en voudrez pas, mais j'arrive pas trop à régler mon appareil pour que vous puissiez bien voir tout. J'ai pas le trépied qu'il faut, enfin j'en sais rien, j'arrive pas à trouver. Bref, voici la page du mois de juillet qui est comme ceci. Là, vous avez l'intercalaire du mois de juillet. Ici, j'aime bien remplir en fait ce que j'aime bien regarder au mois de juillet, etc. J'essaye toujours de prendre une couleur adaptée pour remplir mon petit cahier. Donc là, je vais prendre, vu que là, c'est dans les tons un peu bleu, vert, je vais prendre, je pense, un bleu, tiens, parce que j'ai pas utilisé de bleu, je pense. Donc je vais utiliser quoi, lequel? Le dark blue, voilà, celui-ci, ça donne, c'est né joli, si ça vous dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'aime bien remplir un petit peu les dates importantes du mois de juillet, etc. Déjà, premièrement, je vais mettre un peu ce qui m'intéresse, donc... que j'ai rempli ma page, là je vais pouvoir commencer à décorer mon planeur. Donc je vais vous faire ça avec vous, je vais vraiment faire en accéléré parce que du coup c'est avec l'inspiration qui vient, et j'essaye de remplir un petit peu les cases qui m'intéressent avec mes rendez-vous que j'ai déjà, etc. Rendu de mon plane with me pour le mois de juillet. Alors j'ai laissé un petit peu, voilà, ici vous voyez que j'ai laissé un peu trop parce que je sais pas exactement si je vais faire des choses au mois de juillet, je sais pas encore en avance puisque là on est fin juin. Donc ce que je savais, je l'ai noté, et ce que je sais pas encore, je vais le rajouter au fur et à mesure du mois. Voilà, mais c'était une déco plutôt estivale, assez simple. Je mets pas de tamponnage, etc. Je fais vraiment que des stickers et des choses à peu près dans le même thème et le même coloris. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, vous avez vu le résultat, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres sur mon planeur, sur ma déco, etc. etc. Peut-être aussi une vidéo sur mes washi tape, n'hésitez pas à me dire le style de vidéo qui vous intéresse. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut.